Ensemble, nous avons marché, marché le long des sentes. Ensemble, nous avons cherché la place de nos tentes. Je m'appelle Alexandre Guérin. J'ai 40 ans, je suis marié et père de 5 enfants qui sont scolarisés au Lazariste à Lyon, où ma femme est elle-même enseignante. Après avoir été longtemps dans le doute, puis en conflit avec l'Église, j'ai toujours gardé un contact intime avec l'amour du Christ et j'élève mes enfants dans la foi de son amour. J'ai croisé il y a quelque temps le père d'un petit garçon dans la même école que mes fils. Comme moi, il a fait une partie de sa scolarité chez les Maristes et était au scout de Saint-Luc, à Sainte-Foy-lès-Lyon. Alors nous sommes rappelés nos souvenirs d'enfance, l'école, les camps de scouts. Et puis il m'a posé cette question qui trotte encore dans ma tête. Toi aussi, tu t'es fait tripoter par le père Prénat? Merci Alexandre de vous être confié. Ce genre de choses sont arrivées, et là ça arrive encore. À l'époque, la coutume était de déplacer les prêtres. Mais vous connaissez le père Prénat? De nom, oui, mais pas personnellement. Monsieur Pierre Durieux m'a transmis votre message. Terrible témoignage. Et l'on comprend qu'il vous ait fallu tant de temps pour le mettre par écrit. Merci de vous être adressé à nous avec confiance. Je sais pas comment t'as fait, parce que c'est dur de vivre avec des zèbres comme nous, hein. Excuse-moi, j'ai dit un truc qu'il fallait pas. Non, c'est moi. Je vais te dire une chose que les autres membres ne savent pas. Si j'ai réussi à soutenir Alexandre dans toutes ces crises et dans ces combats face à l'Église, c'est que son combat, c'est aussi le mien. Oui, 5 enfants. Ah, c'est bien. Quel âge ont-ils? Alors, 16, 14, 12, 8 et 5 ans. Oh, je suis heureux que tu aies fondé une famille nombreuse. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez fait enfant? Dans le local photo, les samedis après-midi, entre 1983 et 1986? Oui. Et au Portugal, vous vous en souvenez? Oui, Alexandre, je m'en souviens. Sous une tente. Vous m'avez embrassé avec la langue. Vous m'avez fait caresser le sexe et vous m'avez fait toucher le vôtre. C'est une ombre dans ma vie. Et je dois vivre avec ça. J'ai depuis toujours une attirance pour les enfants. Ça a toujours été une souffrance pour moi. Une souffrance pour vous et pour moi. Grâce à vous, dans nos réunions diocésaines, nous parlons désormais d'homosexualité, de pédophilie, de... Non mais attendez, c'est pas vraiment la même chose. Vous pouvez pas mettre sur le même plan une orientation sexuelle et une perversion criminelle. Vous avez raison. Mais, comme ce sont des sujets que nous n'abordions pas, je considère que c'est une évolution positive pour notre Église. Bon, en tout cas, ce que je voudrais savoir, c'est ce qui se passe concrètement pour Prénat, pour sa destitution. Est-ce que les choses avancent enfin? Ensemble, nous avons marché, marché le long des sentes. Ensemble, nous avons cherché la place de nos tentes. Ensemble, ensemble, notre devise est dans ce mot. Ensemble, tout semble plus beau. Ensemble, nous avons gémi sous le lourd sac qui brise. Ensemble, nous avons frémi au baiser de la brise.